Salut à tous. Alors, le gouvernement a la dent dure contre les collectivités locales. Pourquoi? Entre le président de la République et les maires de France, le torchon brûle. Et ça avait très mal commencé, hein. Rappelez-vous, la photo officielle, trop grande, évidemment, hein, Emmanuel Macron. Et les collectivités avaient dû payer de leur poche cette petite bourde de l'Élysée pour rattraper le coup. Et depuis, Emmanuel Macron a le bras lourd contre les maires et les collectivités locales. Gérald Darmanin avait exhorté les maires à faire 13 milliards d'économies, trois fois plus que prévoyait le programme, enfin le projet du candidat, trois fois plus. Et le 20 juillet, c'est 301 millions de dotations en moins qui seront attribuées aux collectivités locales. À ceci s'ajoute la suppression de la taxe d'habitation, qui est un budget conséquent pour des marges de manœuvre au niveau local. 80% de ces municipalités ne la percevront plus, pour une perte de 10 milliards sur les actions locales. Une baisse des impôts, mais qui n'est pas ceux perçus par l'État. De plus, 70 000 à 75 000 postes seront supprimés sur 5 ans dans toute la fonction publique territoriale. Et en août, autre coup de poignard, ce sont les contrats aidés, qui seront fortement réduits. Or, on sait que ce sont les associations, donc des acteurs locaux, qui en sont les premiers bénéficiaires. Pire encore, le 17 juillet, devant la Convention pour les territoires, Emmanuel Macron annonçait une réduction des collectivités locales, des mairies, moins d'élus, mieux rémunérés et plus protégés, soi-disant. Tiens, ça nous rappelle le discours sur les fonctionnaires de Nicolas Sarkozy. Alors le coup est terrible, mais pourquoi cibler autant les localités? Comme le dit Dominique Bussereau, Emmanuel Macron n'a jamais été élu localement, ni d'ailleurs d'aucun territoire, mis à part l'Élysée. Et il n'est pas rattaché à une réalité locale. Hein, les cantines scolaires, les couloirs de bus. L'austérité dans la fonction publique est aussi très forte. Hein, alors la fonction publique d'État, les polices, la police, les profs, mais aussi la fonction publique territoriale. C'est sûrement d'ailleurs moins risqué en termes de mobilisation syndicale, car plus disparate. Mais la réalité est beaucoup plus politique que ça. Les élus des collectivités locales sont issus des partis traditionnels, Parti socialiste, les Républicains. Et Emmanuel Macron opère un espèce de dégagisme en vue de 2019. Et en effet, en réduisant la voilure des budgets locaux, Macron entend semer la grogne dans les mairies pour en récolter les fruits avec des candidats tout frais de son mouvement, si d'ailleurs le mouvement existe encore, hein. Il verrouille aussi des velléités de candidature de la part des personnalités politiques qui pourraient émerger d'ici là. On pense à Alain Juppé, à Anne Hidalgo. Car en supprimant la taxe d'habitation, l'essentiel du budget sera fixé par la dotation de l'État, entre 60 à 65 %, dit François Baroin. C'est une espèce de mise sous tutelle, et malheur aux frondeurs, puisque le budget de la collectivité est donc géré à plus hauts étages. Donc on voit bien que le candidat anti-système, hein, est un habile politicard, qui n'a rien à envier à ses prédécesseurs. Et son dégagisme des anciens partis est effectué sur le dos des concitoyens, et nous ferait presque regretter le déjà bon vieux temps des partis politiques.